pour moi c'est pas très grave. Parce que cette année, ses choix tactiques, j'aimais pas trop. Il avait la mentalité pour jouer, pour entraîner l'OM. Après, ça va être dur, on sait, pour retrouver un entraîneur. Moi, je fais confiance à Longoria pour la saison. À l'heure actuelle, c'est bon et pas bon. Je dirais pas bon parce que c'est pas bon maintenant. Ils ont repris l'entraînement, il fallait le faire avant. Pas bon d'un côté parce que c'est quand même. On a terminé deuxième, il y avait quand même du jeu. Malgré ses choix bizarres, que j'étais pas fan de lui, mais sur l'ensemble, c'est correct. Mais c'est dommage, il a battu une bonne équipe à présent, en moins d'un an. On a des bons joueurs, et on verra ce qui va se décider, mais c'est dommage. Après, si on ne lui donne pas les moyens pour acheter des joueurs, il a prévenu qu'il allait partir. Je verrai, je dirais Zidane, mais je sais qu'il viendra pas. Mais sinon, moi, je vois bien Laurent Blanc ou Bielsa. Pour moi, Zidane ou Galtier, mais bon. Moi, j'aime beaucoup Christophe Galtier, mais il a signé au PSG, ou quasiment sûr. Et j'aimais aussi Lucien Favre, mais du coup, il part à Nice. Et du coup, je suis un peu, je sais pas, on va envoyer un supporter avec une glacière et ça fera l'affaire. L'entraîneur du Shakhtar Donetsk, qui est pas mal, l'italien, il est pas mal. Marcelino aussi est pas mal. Après, on rêve tous de Zidane, mais c'est impossible. Et Laurent Blanc aussi, ça serait peut-être pas mal pour le club. Laurent Blanc, ça serait un bon choix. Maintenant, de libre sur le marché, je sais pas qui y a. J'espère qu'ils vont pas nous prendre encore un fou.